Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui en Loire. Comme vous pouvez le constater, les eaux n'ont jamais été aussi basses. Je n'ai jamais vu ça ici, surtout à cette période-là. Même en été, c'est pas comme ça. On va essayer tout de suite, hein. Il fait beau. Il fait pas chaud par contre, mais il y a du soleil. Donc, on sort la cuillère et on teste tout ça tout de suite. C'est parti! Là, c'est pas mal du tout, ce spot-là. Le petit bateau là, tout cabané, ça s'appelle. Par contre, l'accessibilité, c'est pas ça. Voilà. Ça fait un fort courant. Il peut y avoir des aspes et des chevennes là. Il n'y a rien qui mord en Loire. Qu'est-ce que ça me stresse? Yes! Alors qu'est-ce que c'est? Oh la touche! Ça se bat bien. Hein. Aspe ou chevenne? Aspe! Ah, ça y est! Excusez-moi pour le ch'ting. Enfin un aspe! Ouh. Enfin. Ah. Pris sur le bout de la tête. Le bout de la gueule. Un petit aspe de 45. Le premier de la saison, parce que j'ai fait que des petits pour l'instant. Et un petit de 45 avec la sacrée touche qui va bien. Allez, va mon bonhomme. Allô. Hop là. Et il repart tout en douceur. Aïe, en courant. Yeah. Ce qui est excellent, c'est quand tu l'annonces et que ça se produit quoi. Ça c'est le meilleur à la pêche quoi. Donc le scénario se passe comme ça, c'est que du bonheur quoi. Donc j'avais lancé près des herbiers là-bas en fait. Ce serait bien que je tombe sur un. À chevenne maintenant, là. Il y en a ici, là. Apparemment, il n'y en avait qu'un sur le secteur. Hein. On a changé de l'heure, voir. Enlever la palette. On va mettre le petit Ryuki, qui marche très bien au début de saison. Elle a tombé, yes! Premier lancé, elle a tombé. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est? Un chevenne! Elle a tombé. Et un beau chevenne. Oh là là. Yes! Et décroché dans l'épuisette. Il y a un chevenne de 45 maintenant. Juste après quoi. En changeant de l'heure. Excellent. Superbe. Allez va.
Génial. Hop, c'est parti. Ouh! Ce que je disais, Chevesnes, Aspe, ça fait un fort courant et ça plonge en fait. Là, il y a du bouillon. Et entre les herbiers ici, c'est une zone de passage en fait. Il y a quelque temps, il y avait un aspe qui chassait pile en bordure là. On va se mettre là, puis on va faire la bordure. Hey. Poisson, yes! Ouh, ça se défend bien. Il y a du courant, d'accord, mais... Ah, une belle perche de Loire, cool! Il va peut-être se décrocher. Hop là, yes! Un joli morceau. Cool. Cool. Excellent. Une jolie perche de Loire. Super. Allez, à la flotte. Retrouve tes potes. Hop. Il y aurait moyen de faire toucher de l'aspe aussi, hein, mais... Ah merde! Allez, d'accord, il y a des cochonneries juste derrière. Oh, poisson! Oh, je ramenais comme un cochon! Le poisson! Excellent! On va essayer de la prendre à la main, celle-là. Ça évitera qu'elle se coince dans l'épuisette. Et voilà, encore une. Je ramenais comme un cochon. Allez. Hop. Ouh. À part deux martins pêcheurs, pas grand chose ici. Il y a déjà une espèce de sentier. Oh, pas dis donc. Les orties, elles me dépassent. À fond de 2 mètres. Vache. C'est chaud, hein. Ça a plu en plus donc. Mais bon, si je veux choper du chouchou, il y a la discrétion par contre, c'est pas évident. Il n'y a pas beaucoup d'eau. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau. Je ne vois pas. Yes, il a pris. Ah, des crochets, putain!
Yes! Premier chum au bout de 12. Oh! Il est costaud. Excellent. Excellent. Il est coincé le pépère. Je vais le chercher. Voilà. Oh, les herbiers ici, c'est une catastrophe aussi. Hein. Ouf. Oh là là, il est beau. Oh bon sang. Oh yes. 45 cm. Cool. Excellent. Super chum. Allez, allô. En douceur, mon bonhomme. Yes!